Bienvenidos a su amigo Joel. Hoy se celebran el Atlético de Madrid y el Barcelona. Voici enfin le début de cette nouvelle saison, on va vivre ensemble beaucoup de rebondissements et je l'espère beaucoup de bonheur. Bonjour et merci de nous retrouver, Christophe Dugarry et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Ouais, salut, salut Grégoire, on attend beaucoup de ce match, espérons qu'il tienne toutes ses promesses. On inaugure la nouvelle saison aujourd'hui avec un match qui promet beaucoup. Et voilà, sous nos yeux, les compositions d'équipe. C'est parti pour cette rencontre. Ça, c'est un beau geste défensif. La passe en retrait. Antonio Lopez. Et le ballon sort encore du terrain. Agüero. Et le ballon passe en sa possession. Attention, c'est parti très vite. Dans la surface de réparation. Et il a stoppé l'attaque, net. Le danger est écarté. Reyes. Agüero. Et le ballon qui passe au-dessus, largement au-dessus. Ouais, c'est quand même bien d'avoir confiance en soi, mais là, un petit peu présomptueux tout de même. Puyol. La défense souffre là-bas. L'arbitre siffle en jeu, dommage. Il avait là une possibilité de donner l'avantage à son équipe. Ouais, aucun doute, le hors-jeu est évident. Mais c'est vrai qu'à vitesse réelle, on aurait pu se tromper. Ça part à 200 à l'heure, c'est bien. C'est chaud pour le gardien. Et il est renvoyé par le poteau. Oh, l'ouverture du score. Et premier but pour le FC Barcelone. En voyant ce ballon heurter le poteau gauche, on a cru que le ballon n'allait pas rentrer. Mais même avec de la chance, un but, c'est un but. Une tête encore. Quel geste pour récupérer la possession du ballon. On se contre, il peut aller loin. L'attaque est stoppée net, ça ne donnera rien. C'est bien, il a été lucide sur l'interception, il faut qu'il passe le ballon maintenant. Simão. Raúl Garcia. Quel geste défensif! Coup de sifflet normal, il est hors jeu. Eh oui Grégoire, eh oui, il ne ralentit pas assez sa course, le hors-jeu est incontestable.
Mais il n'y a personne dans la surface. Oh, le gardien est en danger. Il est dans la surface. Agüero. Il faut qu'il construise. Il s'impose et récupère le ballon. Ballon repoussé des points. Corner. Ballon brossé vers le but. Ça peut être dangereux, ça. Il va frapper. Une bonne interception et dégagement en touche. Ils ont trois possibilités dans la surface. C'est lui qui doit créer du jeu. Camacho. Perea. Une très grande ouverture. Agüero. Il va vraiment falloir que quelqu'un prenne des risques parce que les occasions ne vont pas tomber du ciel. Ah, ça ne fonctionnera pas. Et le ballon passe en sa possession. Et voilà un ballon bien rendu. Ibrahimovic. Voilà ce qu'on appelle une passe ratée. Paolo Assunção. Agüero. Oh, ça peut être dangereux sur ce contre. Agüero. Un nouveau centre, peut-être. Loin, vraiment loin. Ouais, c'est dommage, ça aurait été un but décisif qui aurait pu compter dans le résultat final. Piqué. Iniesta. Il n'y a aucune option dans la surface. Là, on est à des mètres et des mètres du poteau. Ouais, mais c'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance. Trouver le cadre, c'est très très compliqué. Bien dégagé, il est intervenu au bon moment. Ce contre peut très bien aller au bout. Simon. C'est la mi-temps, tout le monde se repose, sauf les entraîneurs qui vont pouvoir élaborer de nouvelles tactiques. Ah, les joueurs se sont tellement bien trouvés aujourd'hui sur le terrain pour un mi-temps qu'on peut leur souhaiter que la deuxième mi-temps soit aussi palpitante. 1-0 à la pause, rien n'est fait évidemment dans cette rencontre. Rendez-vous en seconde période. Et l'arbitre qui siffle le coup d'envoi de la seconde période. Une rencontre jusqu'ici plutôt intéressante. L'Atlético Madrid contre le FC Barcelone. La construction démarre là, avec lui. Messi. Il est en bonne position pour centrer. Passe aérienne en profondeur. Attention, c'est parti très vite. Agüero. Oh,
au cœur de la défense, bien joué. Il est dans la surface. Non, c'est pas dangereux, ça passe trop loin du poteau. Ouais, mais c'est bien fait, beaucoup d'efforts, beaucoup d'envie. Il a vraiment été au bout, hein, au bout de ce qu'il pouvait tenter. Et il finit par tirer au but avec certes manque de lucidité, mais c'était bien fait. C'est dégagé. C'est bien de partir en contre. Il les a vus, notre homme de terrain, ces joueurs qui sont en train de s'échauffer. On est entré dans la dernière demi-heure de la rencontre. Oh, quel dommage. L'arbitre a levé son drapeau. Ouh là 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 là, c'était juste, juste. Il est quasiment sur la même ligne. Il a plusieurs possibilités. Mais attention à cette touche, elle est bien placée. Il est sur le côté. Dans la surface. Ballon touché par le défenseur. Corner. Un ballon aérien. Agüero. Oh là là. C'est là l'égalisation là là là. Égalisation, mais il reste encore du temps. C'est maintenant que la rencontre peut se jouer. Quel but fantastique, quelle fluidité dans la volée. Et d'en haut, ça a l'air encore plus facile. Et quel spectacle, c'est vrai. Quelle communion aussi avec les tribunes. C'est vraiment un stade magnifique. Les voilà maintenant en possession du ballon. Messi! Bah, il doit faire mieux. La défense en souffrant sur cette passe, magnifique! Bien vu de la part du défenseur, il dégage en corner. Joli ballon au premier poteau. Quatre partenaires possibles dans la surface. Dégagement. Presque 75 minutes écoulées. Et il a remis le pied sur le ballon. Villa. Ça passe! Belle frappe, mais directement sur le gardien. C'est bien récupéré, il faut donner le ballon maintenant. Un seul coéquipier dans la surface. Le danger est écarté. Il a de l'espace sur le côté. Impeccable ce dégagement. Puyol. C'est interdit de se comporter comme ça, faute. Sergio Busquets. Ouch Falouzi. Antonio Lopez. Camacho. Paolo Assunção. Simão. Et ils reprennent le ballon. Et le ballon n'est pas passé, c'est mal joué.
Simão. C'est étonnant, il se contente vraiment du minimum. Il faut se projeter vers l'avant dès maintenant et rapidement. Agüero, oh, il a dévissé sa frappe sur la droite. Ouais, c'est bien ce qu'il a fait. Il s'est arraché du marquage pour tenter cette frappe, mais c'était trop juste pour tromper le gardien. Maxwell. Ibrahimovic. Quel geste défensif. Simão. Les voilà maintenant en possession du ballon. Il s'est imposé pour lui prendre le ballon. Camacho. Et ça peut repartir de l'autre côté. Jolie passe, faut en profiter. Belle intervention du gardien sur cette frappe à ras de terre. Et c'est fini, le coup de sifflet final de l'arbitre. Et à l'arrivée, ils n'auront donc pris qu'un petit point, mais ce n'est pas bien grave, on est au début de la saison, les victoires, elles finiront bien par arriver. On n'est jamais déçu d'assister à un match de football lorsqu'il y a autant d'intensité, autant d'engagement, autant de volonté d'aller chercher la victoire. Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade, tout était là, Christophe, pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite, à bientôt.